Mera, toi, tu dois t'asseoir sur les piquants d'herbe. Ni Tabiro et Nouba, tu t'assois à terre avec un petit chocoteau. Assieds-toi la torse nue. Assieds-toi à terre là-bas, je parle, tu parles aussi. Ton charismatique là, c'est ça pris fin. Assieds-toi là-bas. C'est Dieu qui enlève. Et on a appris une chose dans cette histoire. Tu es devenu humble. C'est bien. Tata Lolo Beauté a fait un bon travail. C'est déjà bon ça. T'as capté ou pas, mon petit? Tu vois, tu t'es ramolli. Tu es devenu vrai. Tes abonnés vont jamais te fuir. Mille fois, le juste tombera. Mille fois, il va se lever. C'est de ça qu'il s'agit. Petit, je t'ai appris ce qu'on appelle l'humilité précède la gloire. C'est bien. Ça commence à aller. Je suis ta belle-mère, virtuelle. Donc on n'a qu'à s'aimer dans l'amour de Dieu. Pourquoi je dis que Axel, tu peux garder ta relation amicale avec Kimi? Parce que vous vous êtes apporté beaucoup. Entre vous deux là, vous vous êtes apporté beaucoup. Vous pouvez rester amis. Mais le fait de venir faire croire aux gens que vous êtes en couple, c'est faux. Vous n'êtes pas en couple, tu as ta copine. Et ce mensonge, je ne vais pas vous suivre dans ça. J'aurais préféré vous suivre dans ça à condition qu'il y ait un contrat. Si je savais que, oui, il y a un contrat, ils sont en train de travailler, alors là, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de vérité, alors non. On met fait à cette super chérie de mensonges monumentales. Mais vous pouvez être des amis. Tu es ami avec Tema, tu es ami avec Bovan, tu es ami avec Maessa, tu peux être aussi ami avec Kimi. Et puis avoir des projets. Vos mamans là ne vont jamais vous lâcher. Parce que ils savent que vous êtes des amis d'abord, mais dans la vérité. Tu as des projets avec Tema, tu as des projets avec Bovan, tu as des projets avec Maessa. Tu peux avoir des projets avec Kimi, mais dans la vérité, Dieu va plus vous bénir que vous élever. Ce n'est pas au pied du mur. Nous, on est confrontés à un mensonge. Vous savez, quand quelqu'un te fait croire qu'il t'aime et qu'au milieu, tu découvres que non, ce n'est pas ça, c'est un beuge. Vous pensez que c'est aussi facile de venir poser sa caméra pour dire aux gens que non, on m'a menti, on m'a fait ceci. C'est pas facile. Il faut être quand même être une Lolo Beauté pour le faire. Kimi n'a que 19 ans. Je ne dis pas que les deux là sont fautifs, mais je vous dis qui est le sorcier. Les véritables gougnons, c'est Papa Mera et Maman Nema, le bourreau de cette super chérie. Papa m'a bé, y'a au fin d'awa. Mimi demande si elle peut faire. Non, on a qu'à attendre d'abord. Axel, pour terminer. Tu connais le numéro du général Kamim Afoso. Si tu es sincère, tu connais la porte qu'il faut aller frapper. Donc vas-y sans crainte. Tata Lolo Beauté a ouvert le chemin pour toi. Va discuter encore avec le père de la marmaille. Il a beaucoup à t'apprendre. Tu es encore petit. Maintenant, j'aimerais que tu annonces maintenant ce pourquoi je suis là. Vous qui dites que Lolo Beauté sans injure là. Quand j'ai fini de montrer le vrai visage de Papa Mera et de Maman Nema, vous allez changer de dialecte tout de suite. Elle mérite de sortir rapidement. Ils ont dit, viens sauver la face, hein, parce que c'est chaud pour eux. C'est très chaud. Vous savez, quand Dieu veut dévoiler des choses, c'est-à-dire qu'il t'amène à faire une folie. Papa Mera et Maman Nema, ils ont des abonnés. Ils peuvent allumer la caméra pour faire leur direct. D'abord, Papa Mera, tu es un lâche. Tu vois, c'est femme qui te parle. Hein?
femme avec gros grain. C'est femme qui est en train de te parler. Et puis, il faut capter, il faut t'asseoir à terre avec un petit chocoteau. Tu es un lâche. Tu es très lâche. Tu es un manipulateur. Papa et, m'a bé. Et tu es un vicieux. Oui. Je vais casser quelques petits papots. Je veux voir les donateurs disparus de tous les radars. La fuyeuse internationale, ma belle-sœur de la gloire. Tu pars où? Reviens ici. Voilà belle qui est devant toi. Toi, coupe les feuilles de banane et puis dépose à terre et puis avec toi. Fanda. Tu es bananier, feuille de banane, assieds-toi là-bas. T'as à côté, hein? Ça va me dire Fanda Kuna. Mera, toi, tu dois t'asseoir sur les piquants d'herbe. Ni ta virole, nous ban, tu t'assois à terre avec un petit chocoteau. Assieds-toi la torse nue. Assieds-toi à terre là-bas, je parle, tu parles aussi. Ton charismatique là, c'est ça pris fin. Assieds-toi là-bas. Ok, on a place là, yo, kendo fanda kuna. Salanoki. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, pour toi, papa Mera, j'ai amené une Congolaise, j'ai payé le billet d'une Congolaise. Depuis le Congo, dis-lui, n'a qu'à s'asseoir à terre. Kendo fanda kuna, salanoki. Patron, n'a eu à Zoloba. Salanokuna, salanoki. Tu penses que je suis en train de m'amuser? J'ai dépêché depuis le Congo, Brazza. Une Congolaise, parce que le français tu ne comprends pas bien. On va te traduire ça en Congo. Est-ce que les Congolais sont là? Appelez tous les Congolais. Il y a quelqu'un qui va traduire pour vous au Congo. Vous pensez que c'est un live? Pokle Nayo, viens, je vais t'apprendre comment on fait le live. Viens, je vais te montrer qui est la reine des réseaux sociaux. Ma traductrice. Boyake, boyake bele, boyako fanda na koyoka makambo tu o akoloba. Yope na yope, yope na yope, yope na yope. Boyaka, yaka, yako fanda. Biso na yo. Oui, biso na biso. Biso na biso. Vous pensez que je suis dans l'amusement? Tapotez mes bébés. Je ne vois pas les cadeaux monter. Client peut fermer ma bouche ce soir. S'il n'y a pas 5 clients, je casse les papos. Maintenant, on va, nous tous, on va se menacer vivant. Vous me connaissez? Il te parle en troupe. Je te paye pour ça. Il faut des 5 clients. Mais on est dans le système de menace. Je vais jouer des voix. Je parle. Hé! Bossalini, Boyaka. Balio yo eza viente, bako liya bino, boya bo fanda. Biso na biso. Biso na biso ao. Tapote me bebe. Botia mitema na life yo, botia mitema. C'est de ça qu'il s'agit. Qui cherche trouve dans la vie. Je vais m'exprimer. Merci pour les donateurs. Quand je parle, tu parles. Matondo mingi. Voilà. Tu es un peu trop loin. Pousse. Voilà, pour ne pas que tu te fatigues. Ton billet d'avion m'a coûté cher. Ouais, Naebi, écoutez le cher. Ok. Moi, tiens, mitema. Je vais maintenant m'exprimer. Boyokaye maintenant. Les tapoteurs, sur le front de l'Olokoté. Les donateurs, maman Ivo qui fait son apparition. Yebisangaye, la vérité sera dite et la vérité va vous affranchir. Je vais voir les tapoteurs. Le live, quand tu écoutes, c'est dosé. Le live sera dosé. Allô. Le live sera dosé. Yebisangaye, les tapoteurs, les donateurs en roche. Chérissé, Yebi, on va faire ça zo, on va faire ça propre. Restez concentrés, aucune distraction. L'ennemi veut nous distraire. Aucune distraction.
Restez concentré. Le bracelet avec Lolo Beauté. C'est Lolo Beauté qui allume, c'est Lolo Beauté qui éteint. Ça ne changera pas. Donc tapotez mes bébés. Mettez les cœurs. Atteignons rapidement les 1 million de cœurs. Atteignons, oh Tata Maye, non tu framponnes. Atteignons les 1 million de cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir les 1 million de cœurs. Je suis le genre de personne. Je ne me laisse pas distraire. Alors la mort. Je m'appelle Lolo Beauté, la reine Poutine des réseaux sociaux. Ça ne changera pas. C'est de ça qu'il s'agit. Celle-là même qui détient la télécommande, allumer la télé. J'ai dit, ce soir, les captureurs, est-ce que vous êtes là? Je dis et je répète, allumer la télé. Oh, vous allez tomber des nues.